j'ai dû aller dans le foyer pour me rendre compte de ce que c'était que les problématiques de l'immigration. Très vite, j'ai vu qu'il y avait des problématiques, évidemment, de vie, c'est clair, et beaucoup de langage. À l'école Binet, il y avait un cours d'alphabétisation le soir qui était organisé par une association qui s'appelait LAPAR. Je vais à cette école et je dis, voilà, on fait de l'alphabétisation, moi je veux bien en faire. Je me souviens toujours de son nom, je vois comme mon premier jour. Il s'appelait Landy de Casamance. Il avait un livre et on ouvre le livre. Je lui parle et j'échange avec lui. Bonjour, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle, etc. Et tout de suite, la douanière m'engueule, me dit non, on ne parle pas. Il avait le doigt sur le livre et tout en me regardant, il me disait la poste, la cour, le monsieur. Il connaissait le bouquin par cœur. Je lui dis, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tu dis, écoute, on va changer de technique. On est dans une salle, on va commencer par notre environnement. Est-ce qu'on peut désigner tous les objets? J'ai commencé à travailler comme ça. La façon dont l'alphabétisation se passe ne convient pas. Il nous faut, à partir des situations d'apprentissage contextualisées dans les quartiers, dans les foyers, voir comment formaliser une pédagogie des adultes pour des adultes migrants. J'ai fini par aller à Paris, j'ai obtenu un rendez-vous avec le directeur du Fonds d'Action Sociale. Et je lui dis, écoutez, je ne comprends pas, les situations des migrants à Rouen sont quand même sont pas très bonnes. La nécessité de former les gens pour qu'ils soient des gens responsables, faire valoir leurs droits, mais répondre à leurs devoirs, leurs obligations. Financé par le FAS, on défendait des actions d'alphabétisation dans les foyers, dans les quartiers, pour les mamans, pour les hommes, du soutien scolaire. Dans les techniques éducatives, on avait des fondements sur lesquels on travaillait. Il y avait bien sûr le corps, le mouvement. Il y avait des ateliers bois, métal, terre. Tout un secteur autour des activités plastiques, peinture, sérigraphie. En ce qui concerne le ciné-club, je faisais ça, je pense, une fois la semaine. Et je projetais, j'annonçais la séance, le jour de la séance. Donc, c'était plutôt à destination des éducateurs qui étaient en formation. Alors, donnez de l'énergie à votre entreprise, engagez des jeunes. Appelez le 241 41 41. Quand ce choix a développé ce secteur de préformation migrant, on a donc eu ce local rue des Limites. Quand j'étais embauché, je faisais un peu de cours, mais la majorité de mon temps pendant quelques mois, ça a été de mettre en état le local. On avait les bureaux, ce choix, la secrétaire, tout ça. Il y avait des salles de cours, et moi j'avais un truc qui était grand comme deux fois ça, avec des établis, avec des gens qui tapaient, qui faisaient des choses. La deuxième journée régionale de lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme en Haute-Normandie, qui s'est passé à la préfecture, et ça, c'est une autre aventure. À l'issue de cette journée, le président de la région et le préfet m'ont dit « faites une proposition, etc. » Donc, j'ai construit après, avec Daniel Colombel et Jacques Delafosse, le projet des ateliers, du réseau des ateliers de formation de base. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un chiffre pour ouvrir ce journal, un chiffre qui paraît stupéfiant dans un pays tel que la France où près de 2 millions de personnes ne seraient pas capables de lire ou d'écrire couramment. Dans toutes les régions de France, comme ici en Haute-Normandie, on trouve donc des citoyens qui sont allés à l'école mais qui ne dominent pas et de loin le français écrit et lu. Ces élèves studieux sont tous licenciés économiques. Ils suivent à Rouen un stage de perfectionnement du français organisé par Éducation et Culture. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au malfaiteur? Je ne retrouve pas là. Et comment se fait-il que tout d'un coup, là, vous ayez décidé de suivre les cours? Parce que, comme j'étais licencié économique, j'ai pas de job. Alors, il m'en faut bien. Alors, donc, je viens ici pour apprendre à lire et écrire et refaire un autre stage après. C'était un sacré challenge parce que l'immeuble que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui occupe la place centrale sur le terrain, était en piteux état. Quand on avait franchi la barrière avec M. Chourin, il fallait bientôt aller à quatre pattes dans la cour
parce qu'il y a tellement d'arbres partout et tout pour pouvoir atteindre la porte d'entrée. C'était le boulevard Verdun le plus gros chantier. Donc là, on a pensé vraiment du gros boulot à faire, quoi. De la grosse maçonnerie, de la couverture, de la charpente. Et un jour, je lui dis, écoute, on a besoin du logo. Il me dit, écoute, c'est pas grave. On était dans son atelier. Il prend une feuille de papier. Il prend son pinceau, trois couleurs. Et il a fait ce qu'est le logo aujourd'hui. Clac, clac. C'est quelque chose qui parle avec les trois couleurs fondamentales. L'apprentissage de base, c'était ce lien, quoi. C'est l'apprentissage, la communication. Ça me plaisait bien. Et on a dit, OK, on est parti. L'association Because Michel, quoi, a été... invité à un colloque sur l'alphabétisation. On a passé un très très bon moment, on s'est bien amusé, on a bien travaillé, on a rencontré des gens super sympas et on a créé des liens avec les gens qu'on avait rencontrés. L'atelier de formation de base, ça s'adressait à des publics français plutôt, sortis de l'école sans diplôme, présentant des problèmes d'illettrisme. Dans les ateliers de formation de base, il y avait des ateliers de cuisine, c'est de la couture. Je vous renvoie à l'atelier de formation de base d'Evreux qui faisait un travail absolument inouï. C'était des habits, H-A-B-I-T-S et moi. Et c'était un travail fabuleux sur des personnes illettrées et analphabètes de différents milieux, différentes cultures, qui travaillaient à partir. Et c'est là où on relie le développement local, l'environnement, la vie en société, qui travaillaient à partir de matériaux, des déchets, des bouts de tissu, des bouts de ficelle, des bouts de plastique, etc. Et qui faisaient des habits. Et Paulette Vouloir, qui est fondatrice de l'Ove Normande des Mères, elle dit, moi je veux créer une association intermédiaire en direction des hommes, parce qu'ils avaient déjà le truc pour les femmes, je lui dis, moi aussi. Et donc on a décidé de créer Hommes Emploi. En parallèle, sur Dieppe, Jean Caron, qui était le responsable du secteur, là je voulais créer quelque chose sur Dieppe, et lui aussi, donc on a créé ensemble Allo Rapid Service, service aux personnes, hein, aller faire des travaux de jardinage, d'entretien, de ménage chez les personnes. On a travaillé ensemble sur la possibilité de créer des partenariats entre structures qui participent à l'insertion et des projets qui visent à rapprocher des projets communs sur un même territoire. Il fallait à la fois penser au développement de la structure et en même temps penser la prise en charge des besoins d'un territoire. Ce réseau APP, Atelier de Pédagogie Personnalisée, qui était en fait quelque chose qui ressemblait fort aux ateliers de formation de base, c'est-à-dire qui était ouvert à des gens sans diplôme, gratuits et avec des techniques pédagogiques complètement nouvelles. Et là, on s'adressait à un public un peu différent, qui était un public qui est plutôt d'un niveau 5, c'est-à-dire d'un niveau 3e CAP, et qui se destinait à, pourquoi pas, passer le bac en prenant le temps, préparer un diplôme, préparer un concours. L'aménagement extérieur, c'est plus récent, ça, c'est... Il y a combien de temps que c'est fini ça? Oh, il y a un petit bout de temps quand même, hein. Le temps passe vite. Alors, ça fait bien une vingtaine d'années que c'est fini entièrement, oui. On a fait beaucoup de séminaires. Il a fait beaucoup de séminaires dans l'Europe de l'Est, en Roumanie, Hongrie, Bulgarie, aussi en Italie, à Bologne, en Allemagne... Bien sûr, à Barcelone, en Espagne, un petit peu aussi en Angleterre. Je me déplaçais quand même un petit peu alors, sur des programmes européens. Et puis ce fameux programme avec Jean-Paul Hautecoeur sur Alpha 96, enfin bon, ou dans les pays de l'Est, où aussi se développaient des compétences où les gens essayent de se débrouiller et donc bricolent des affaires, comme ça se fait si on voit le Brésil. Où on voit les gens fabriquent des petites choses et puis ils essayent de vivre avec ça. En 95, les pouvoirs publics, on a créé une association qui s'est appelée ADEL, dont Pierre Delestre a pris la présidence. Et on l'avait créée à la demande des pouvoirs publics, de la direction du travail et du département. Qu'à cette période-là, il nous avait dit, écoutez, c'est pas possible que éducation et formation continuent de gérer ces chantiers, donc il faut que vous les gériez dans une autre structure. On a donc créé ADEL, qui a été complètement adossée à éducation et formation. Alors, nous avons créé les chantiers d'insertion avant que ça n'existe, et vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui qu'on n'est pas
légitime à les gérer, puisqu'il s'agit pour nous d'un dispositif de formation couplé à de l'insertion. Et c'est un modèle pédagogique qui met les gens en situation concrète d'apprentissage sur des situations qu'ils peuvent appréhender, à partir desquelles ils peuvent découvrir la nécessité de s'approprier d'autres savoirs fondamentaux que sont évidemment la lecture, l'écriture, etc. Des éléments fondamentaux qui permettent de poursuivre leur parcours. Tout l'aspect potager, etc., restauration des rives, etc. Et ça, c'était l'objet de la vidéo que Laurent a emmenée à Hambourg comme illustration de ce qu'il faudrait faire en matière de lutte contre l'illettrisme en France à partir de l'action pilote en Haute-Normandie. Coordinateur de Fécamp m'a dit « ça m'intéresserait que vous veniez vous installer à Fécamp parce que je n'ai pas à Fécamp des structures capables de faire certaines choses que j'aimerais qu'ils soient faites ». Toutes les études que l'on a faites avec le chantier d'insertion, c'est ce qui a permis ensuite d'obtenir de la préfecture la mise en concession de je ne sais plus combien, je crois que c'est 15 ou 16 hectares à Veules-les-Roses, qui ensuite ont été mises en adjudication et c'est là que les premiers ostréiculteurs ont commencé à répondre. On a lancé donc un chantier d'insertion à Fécamp qui a été ce chantier naval qui a duré un certain nombre d'années. Le but était de, en quelque sorte, beaucoup plus de récupérer et de socialiser des gens en partant d'un travail qui était le travail du bois, le bateau n'étant finalement qu'un prétexte pédagogique. On a décidé de se dire on va faire s'exprimer les apprenants. On va faire témoigner les apprenants sur l'utilité des ateliers de formation de base. Et on a organisé des ateliers autour de scolarité, discrimination, formation de base et emploi, que avec des apprenants dans les ateliers. L'idée, c'était de proposer une offre individualisée aux gens qui venaient. Voilà. C'est-à-dire de partir de leurs besoins, des difficultés qu'on percevait avec eux, d'une analyse commune de leurs difficultés et de leurs besoins, et de proposer quelque chose qui soit vraiment individuel. À partir du moment où ce schéma-là, plus la notion de contextualisation dans l'approche andragogique, donc, est respectée, on peut considérer que le boulot est bien fait. J'ai appris à connaître aussi les plateformes de formation à distance que je ne connaissais pas. Ils ont investi quand même à me former sur les outils Web 2.0, sur les outils auteurs sur la FOAD, qui est la plateforme de formation ouverte à distance. Nous allons découvrir un reportage de Sandrine Ramon et Abdel Benzaïr qui ont suivi un groupe de personnes qui vient de retrouver du travail sur un chantier d'insertion et en parallèle ils suivent des cours de français et de calcul en lien avec leur métier. Le chantier touche à sa fin. Dans quelques jours, ce mur sera achevé. Un ouvrage de plus réalisé par cette équipe. Des ouvriers peu ordinaires qui, une fois par semaine, délaissent leurs outils de travail pour manier le stylo et la feuille blanche. Pour certains, ils sont allés jusqu'au niveau CAP, hein, BEP, hein, ils n'ont pas tous arrêté au niveau primaire. Mais pour d'autres, l'école est un mauvais souvenir. Donc il ne s'agit pas, nous, à Éducation et Formation, de reproduire, en tout cas en termes de méthode, ce qu'ils ont vécu à l'école. On fait 47. Et pour rendre les cours plus attractifs, les exercices évoquent des cas de figure très concrets, en lien direct avec leur formation professionnelle. Sur les chantiers, vous avez des gens qui ont des compétences en lecture, en écriture, qui ont besoin d'être améliorés. D'autres ont besoin d'en acquérir véritablement. Dans les situations de travail, en fait, on arrive à surmonter ces difficultés, d'autant que là, nous, on associe même sur le chantier certains apprentissages fondamentaux. Alias, c'est un dispositif de contenu d'apprentissage numérisé, voilà, qui permet à des publics éloignés des apprentissages fondamentaux
et du travail, de s'approprier des compétences à travers cet outil-là. C'est un outil qui s'utilise à la fois en cours, on peut l'utiliser comme support d'apprentissage très contextualisé, c'est-à-dire à partir de situations vécues par les personnes. Prendre un billet de train, par exemple, et c'est un outil qui est développé en 3D comme un serious game. Donc c'est des personnages développés en vraie grandeur, mais comme dans les dessins animés, des choses comme ça, mais des personnages réels. Donc l'idée, c'est de mutualiser cet outil. C'est qu'en grand nombre, on adhère à cet outil qui répond aux besoins, puisque un, ce qui est développé aujourd'hui, 45 à 50 activités, vont évoluer avec tout simplement les contributions de ceux qui y adhèrent. Nous sommes centre d'examen. Faire passer donc ces Delphes, c'est formidable. On voit des gens qui évoluent et qui partagent leur culture. Là aussi, l'association, c'est vraiment un lieu de partage. On est différents, il y a des personnes handicapées, il y a des personnes étrangères, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Ce mélange de personnes et cette différence et ce respect des différences. Chez nous d'ailleurs, c'est quand on entend nos collègues, il y a toujours du respect vis-à-vis de nos stagiaires. Nous sommes heureux aujourd'hui que vous soyez présents pour inaugurer cette école dans laquelle voilà, les jeunes qui sont entrés, ils sont une douzaine aujourd'hui. Voilà. Monsieur Rossignol, qui est le directeur de l'association maintenant, je vous remercie d'avoir accepté cette fonction, qui est somme toute assez facile. Avec un secrétaire général aussi passionné que vous, monsieur Chouan, et aussi complet. Harlem Désir était à Rouen ce vendredi pour une visite de terrain des investissements européens au service de l'emploi des jeunes. Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes a visité le centre éducation et formation qui suit dans l'agglomération 300 jeunes en contrat d'accès à la qualification. C'est un dispositif qui est financé, qui est soutenu financièrement par les fonds européens et qui aide des jeunes qui sont en rupture de formation, qui souvent sont sortis du système scolaire sans avoir un diplôme, sans pouvoir terminer leurs études secondaires, n'ont pas pu passer le bac, n'ont pas pu passer un CAP. Et grâce à ce dispositif, ils sont accompagnés, ils sont encadrés d'une façon très individualisée et ils peuvent redéfinir un projet professionnel. Dans le potentiel client qu'on avait essayé de mettre en place, il y avait éducation et formation que j'avais rencontré par l'intermédiaire de M. Chourin et Tania Chourin. Je connaissais auparavant. Ils m'avaient expliqué qu'ils avaient une école de production au petit plat et qu'ils souhaiteraient se fournir en légumes bio. On a commencé le projet de maraîchage. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait, que ça pourrait être intéressant de créer un chantier d'insertion. Le challenge me plaisait bien. En fait, c'est... ce choix de vouloir travailler dans le maraîchage et en même temps d'avoir ce côté avec l'humain, qui était le social. L'éducation et formation répondaient un peu à mes valeurs. L'aide des gens qui sont en difficulté, la transmission de savoir. Souvent, ce sont des jeunes qui ont décroché. Ces décrocheurs, nous les ramenons à un métier, nous voulons leur apprendre un métier. Hein. Donc, effectivement, avec 60% de leur temps en situation concrète, ce qui fait que c'est un petit peu en décalage du système scolaire actuel. Ces jeunes, ils sont garantis d'obtenir leur diplôme. Ils vont passer un CAP et ils pourront peut-être aller plus loin, en bac pro, etc. Et ils auront du travail, c'est une certitude. L'objectif de l'association, c'est venir au service des autres, mais surtout leur rendre service pour qu'ils arrivent à se rendre eux-mêmes service. Ce n'est pas de l'assistanat, c'est plutôt aller vers l'autre pour aider à que pour juste suppléer ou assister. Je suis arrivé à Éducation Formation, mes 15 mois, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup ouvert des portes. En cet moment, je peux me présenter devant une personne, comment lui parler, comment faire, et surtout ça, vraiment ça.
On a appris beaucoup, beaucoup de choses avec l'éducation-formation. Je prends mieux, je suis à l'aise. J'arrive à lire, écrire. Que des bons souvenirs, toujours des bons rapports avec tout le monde. Hein, vraiment, c'est familial. Même tout le monde se soucie. Il n'y a jamais eu d'acharnement l'un contre l'autre. Jamais, jamais. Tout le monde s'est toujours entendu. Les formateurs ensemble, c'est pareil. Hein. Il y a une petite réunion entre deux cours, entre les formateurs. Tout le monde s'entendait très bien. C'est un des succès, d'une certaine manière, de l'association. C'est son fort investissement de l'ensemble de ses équipes, il faut le dire, des militants à l'origine, de l'ensemble des salariés. La plupart sont vraiment investis. C'est-à-dire qu'ils ont, pris à cœur ce projet, dans lequel peut-être que le grossissement de l'association fait qu'il peut y avoir des distances de prise, d'où l'intérêt de ce que nous faisons aujourd'hui. De pouvoir leur montrer dans quelle dynamique on travaille tous ensemble, et parce que c'est ce qui donne une âme à cette démarche et du sens à notre travail.